Et là tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, c'est la partie 2 de mon calendrier de l'Avent Livresse que je vais vous présenter. Je mettrai le lien du 1 par ici. Donc, je commence tout de suite. N'hésitez pas à voir la vidéo 1 si vous êtes tombé sur la 2 par hasard. Donc, Cluedo, le secret du papyrus. Donc, comme vous savez que j'adore Cluedo, mère m'en a pris d'autres. Le royaume des anges. Ils sont pas dans l'ordre. Donc, j'ai juste fait. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, j'ai eu le tome 6, la clé d'or, donc Kinrager. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans un book haul qui date quand même assez longtemps, ma mère m'avait pris le tome 9 des Kinrager, donc que je ne pouvais pas lire vu que j'avais pas lu les autres. Et du coup, elle a décidé de me les acheter pour Noël, pour mon calendrier de l'Avent. Donc le tome 7, Premier Amour. Et le tome 9, Le Royaume des Ombres. Donc moi, ce que j'adore chez les Kinrager, c'est que genre, il y a toujours un petit marque-page vraiment très joli. Très sophistiqué et j'aime beaucoup. Une petite place sur cette terre de Hélène Montardre. Donc toujours publié chez Syros. Tout va très mal, merci. Donc 5 adolescents, leur fou rire, leur rêve et leur délire de Rossi Runston. Encore un Cluedo, donc Madame Pervenche. Comment je suis devenue un robot de Nadia Coste, donc toujours chez Syros. Et je pense que je vais beaucoup aimer cette collection, donc c'est dans la collection Tempo, parce qu'il il traite des sujets réalistes, bah réels, et, mais d'une façon assez facile à lire. Parce que là par exemple c'est une fille qui a un problème, elle a une attelle, non, elle a une main mécanique et un pied aussi mécanique, et elle n'arrive pas à s'accepter comme ça. Donc du coup je trouve ça hyper bien parce que c'est des choses qui peuvent nous arriver, et puis aussi de pouvoir relire quelqu'un qui a ça, si ça ne nous est pas arrivé. Je trouve ça vraiment très bien qu'il y a des maisons d'édition qui font ça. Donc elle m'a aussi pris Opprimé de Jessica Terrin, donc publié chez Édition Milan. J'avais commencé à lire ce livre à la bibliothèque, donc il y a 2 ans. Et je n'avais pas terminé parce que j'arrivais pas trop à suivre l'histoire. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai hâte de m'y replonger. Et en plus, j'ai lu tome 2. Donc, hyper contente. Confession d'un ami imaginaire. Donc, mémoire de Jacques Papier. Recueilli par Michel Gueva. Publié chez l'édition Nathan. Donc, j'adore la couverture et j'ai lu donc l'histoire, le résumé qui est ici. Et ça a l'air vraiment hyper hyper bien. Donc il y a des images. Et deux livres que j'ai hâte de lire. Donc c'est il y en a un, c'est Le mensonge dans les veines de Michael Espinoza. Donc toujours c'est chez Syros. Et si c'est pour l'éternité de Tommy Wallach. L'auteur de Si c'était la fin du monde. Donc c'est vraiment, ces deux livres-là, c'est vraiment des livres qui me font hyper envie. Donc celui-là, je l'avais déjà présenté, mais parce que c'était une vente sur Vinted et que j'avais vu. Mais je l'ai eu dans mon calendrier livresque. Donc voilà, moi je suis hyper contente de mon calendrier livresque. Il y a plein de livres que je pensais pas qu'elle allait mettre dedans et je suis hyper contente. Donc je la remercie, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à liker et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.